Allez, on va faire ce petit test PCR comme tout le monde. Pas de raison que j'ai chopé cette cochonnerie là. Alors, on va appeler, mettre au haut-parleur direct. C'est parti. Bonjour, si vous appelez pour un rendez-vous pour un test PCR, tapez 1. Oui, c'est ça. Avez-vous le Covid-19? Tapez 1. Ah ben justement, je sais pas, c'est pour ça que j'appelle. La perte de mémoire est l'un des symptômes. Elle me prend pour un con, celle-là, non? Attention, l'énervement en est aussi un. Ben comment je fais pour savoir si... Avez-vous eu des contacts avec des humains ces 10 dernières années? Ben, des humains, c'est-à-dire? Un exemple, avez-vous des parents? Je crois que tout le monde a des parents, non? Risque de contagion. Putain, je sais même plus pourquoi j'appelle, moi. Voulez-vous prendre rendez-vous pour un test PCR? Oui, bah oui, c'est pour ça que j'appelle au départ, moi, c'est... Rendez-vous impossible car vous êtes un cas contact. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Vous pouvez aller travailler, mais toute sortie en dehors de celle-ci sera punie. Avez-vous peur? Oh non, non. Ça non. Le mensonge est un symptôme de phase terminale. Voulez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Avez-vous voté Macron? Oui, enfin, je vois pas trop c'est quoi le rapport, quoi. Une prime de 5 euros vous sera remise dans votre boîte aux lettres. Ça fait quand même relativement plaisir. Qui sera déduite de votre impôt Covid de 531 euros. Avez-vous d'autres questions? Pour me faire enculer, c'est où? Pour se faire, prenez rendez-vous pour un test PCR. Nous vous remercions.